Déterminés à trouver tous les indices, ces petits Dionysiens du centre aéré d'Amaz-le-Gros étaient en pleine course d'orientation vendredi dernier. Ils devaient trouver toutes les pièces d'un puzzle éparpillées sur le stade du Bocage à Sainte-Suzanne, une activité sur le thème de la nature qu'ils ont beaucoup appréciée. Ça nous apprend un petit peu les choses en dehors de notre maison. J'ai découvert le cocotier, le bois noir, le choca et le manguier. On s'amuse avec les amis dans la nature un peu, au lieu de rester devant la télé. Cette sortie pédagogique intervient dans le cadre du projet du centre aéré, un projet intitulé « Mon environnement et moi » visant à rendre les jeunes plus attentifs et sensibles à ce qui les entoure. À partir de ce puzzle-là, ce jeu-là en pleine nature, ça va les sensibiliser et surtout les faire comprendre que voilà, notre environnement il est primordial pour les futurs citoyens, les futurs enfants de demain. Acrobranche, visite de la grotte des premiers Français ou encore vrai spectacle au théâtre. Au total, ce sont 1600 petits Dionysiens inscrits dans les centres aérés qui ont pu profiter pleinement de leurs vacances pour découvrir, s'émerveiller et s'enrichir.